Laissez-moi, Olivier. Je ne me suis pas fait mal. Éléonore vous attend dans le jardin. Ne faites pas l'enfant, Faustine. Eh bien, posez-moi sur le lit. Faites voir votre pied. Quand je le touche ainsi, cela vous fait mal? Non? Que faites-vous? Je vous embrasse la cheville. Je vous embrasse le genou. Je vous embrasse la cuisse. Arrêtez-moi, Faustine, si cela vous fâche. Cela me fâche. Je vous en prie, arrêtez. Voilà. Ne partez pas. Asseyez-vous près de moi. Que se passe-t-il? Rien. Et maintenant, dormez bien, petite fille trop sage. Ne partez pas. Que voulez-vous, mon Dieu? Je ne sais pas. Que vous restiez près de moi. Pourquoi pleurez-vous, petite fille? C'était mon premier baiser. Je lui ai dit arrêtez de me lécher le cou. Vous n'êtes pas un chat, je ne suis pas une soucoupe. Allez, blanc, et je suis partie. Le pauvre. Ça ne me dit vraiment rien de danser en me laissant tripoter par ces imbéciles qui vous embrassent sans savoir votre nom. Sans savoir si vous aimez mieux le printemps ou l'été. Dans 2 jours, les vacances. Tu retournes à Saint-Tropez? Non, pas cet été. Mes parents y vont, mais moi je vais à la campagne, chez ma grand-mère. À la campagne? T'as pas peur de t'ennuyer? Tu vois, cet été, pour changer, j'ai envie de m'ennuyer un peu. Ne me trompe pas, vous êtes bien la célèbre Florence Nightingale. Oui, mais ne le répétez pas, je viens me reposer. Pouvons-nous cependant espérer vous avoir pour le thé au château? Au château, sûrement pas. Vous connaissez mes convictions. Ah bon, alors aux écuries, peut-être? Peut-être, je pense. Faustine! Bonjour, Faustine. Joachim! Au revoir, Joachim. J'attendais ma cousine Ariane. Et moi, mon grand-père Henri. Je
caresses, grand-mère. Ça me plaît de regarder tes robes. Va te promener. Je suis dans l'eau. Vous pouvez ouvrir les yeux, jeune homme. C'est malin. Petit Florent, tu savais comme l'eau est fraîche. Toi, tu as l'air d'avoir si chaud. Tiens, rafraîchis-toi. Tu n'as rafraîchi que Verlaine. Dis-moi un poème. Les roses étaient toutes rouges et les lierres étaient tout noirs. Cher, pour peu que tu te bouges, renaissent tous mes désespoirs. Le ciel était trop bleu, trop tendre, la mer trop verte et l'air trop doux. Je crains toujours ce qu'est d'attendre quelques fuites atroces de vous. Du houx à la feuille vernie et du luisant buis, je suis là. Et de la campagne infinie et de tout, fort de vous. Hélas. Merci. Donne-moi la main, je veux sortir. Tu peux fermer les yeux. Pourquoi t'es comme ça aujourd'hui? Comme ça? Comment? Provocante. Parce que c'est l'été. Parce que c'était lui. Parce que c'était moi. Parce que... Donne-moi la main maintenant. Mais pas fait exprès, je te jure. Espèce de menteuse. Non mais c'est fini, tu m'embêtes à la fin. Je t'embête, vraiment? Bien, je le regrette. T'es vraiment complètement folle, hein?
Parti se promener. Marie. Maman. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jean. L'eau était délicieuse. N'est-ce pas, Florent? Ce jeune homme a essayé de se glisser dans la maison sans se faire voir, pour se changer. Mais nous avons tous vu que ses vêtements étaient trempés. Bizarre. Auriez-vous poussé votre plus jeune beau-fils à l'eau, chère belle-maman? Exactement. Sans la rivière. Et toi, tu sens la confiture. Tu as poussé Florent à l'eau? J'aimerais que tes fils me traitent avec un peu plus de respect. C'est tout. Florent m'a traité de folle et de menteuse. Vous êtes si jeune, belle-maman, nous oublions parfois. Il m'a dit tous ces mots doux et je l'ai tiré dans l'eau. Et de quoi parliez-vous? De quoi veux-tu que nous parlions? De tout et de rien. Et tu connais tes fils. Ils s'énervent pour tout. Pour rien. Et pour rien. J'ai pas envie de thé. Tu rentres à la maison avec maman, mon amour, ou tu restes dans le jardin? Je reste dans le jardin. Papa, pose-moi, j'ai quelque chose à faire. Viens. Qu'est-ce que tu jouais tout à l'heure? Une mazurka. Tu voulais pas de thé? Non. Ah, Florent, Florent, le loup va finir par te manger. Occupe-toi de ce qu'il te regarde. Qu'est-ce qu'il raconte? Demain, il faut qu'on commence à repeindre les chaises du jardin. Ça s'égale complètement. Tu crois? C'est un côté décadent que j'aime bien. On t'en laissera une bien écaillée pour toi. Je me demande si je dois ou non lutter contre mon goût pour les roses anciennes. Les grillages rouillés. Les volets qui grincent dès qu'il y a du vent. Nous repeindrons toutes les chaises demain. Papa! Du thé chaud, mes biches. Un baiser, Seigneur. Deux baisers. Tu veux que je te fasse des toasts chauds? Oui. Je me suis promené le long de la rivière. Mais où est Marie? Je suis là. Je vais prendre mon thé en travaillant. C'est plus raisonnable. Tu me l'apportes, mon ange? Tu veux bien m'accompagner jusqu'à mon bureau? D'accord. Bon. Qui vient se balader avant le dîner? Tu viens, cousin? Oui, cousine.
mari a eu du mal à s'endormir ce soir. Moi, j'ai du mal à m'endormir tous les soirs depuis que nous sommes arrivés. Viens ici. Non. Bien. Et pourquoi ? Pas envie. Penses-tu rester longtemps dans cet état d'esprit ? Kilo ça. Bien. Si tu le permets, je vais donc changer de chambre. Je préfère dormir seule qu'avec une femme qui ne veut pas que je la touche. À quoi tu penses quand je dors près de toi et que tu ne dors pas ? À ça. Claire, mon chéri, va demander qu'on fasse mon lit dans la chambre jaune. D'accord. Je voudrais qu'Ariane et Cani se marient. Tu es fou. Laisse-les donc profiter de la vie. Ce sont des gosses. Je voudrais voir des bébés dans la maison. Je voudrais tenir des bébés dans mes bras. Remarie-toi. Fais comme moi, mon cher frère. Épouse une belle petite garce. Tu rajeuniras de 20 ans. Ou tu tireras une balle dans la tête. Est-ce qu'il y a une autre façon de ne pas vieillir ? Mais à mon avis, la moins belle. Je t'ai servi de ma mobilette hier. Moi ? Le pneu avant est crevé. Ah ouais. Et puis t'as aussi pris mon dernier paquet de cigarettes dans mon tiroir. Le voilà. Merci. Mais hier, il était plein. Oh. Jeune poète, tu commences à m'énerver. J'ai eu un paquet de cigarettes qui dit que c'était une poète. Mais Pétunia ! Non, mais tu es fou ! Cet imbécile m'a énervé avec ses petites provisions, sa radinerie. Pardon, ma petite chérie, pardon. Ouais. Belle forme, et joli petit coussin de graisse. Immédiatement. J'aime pas. Oui, j'ai faim, faim, faim. C'est bien. J'adore ce pain. Il sent la terre, le soleil. Il n'y a que le pain qui sente comme ça. Oui. Le pain est le fruit de toutes les saisons. Il est aussi le fruit du travail de l'homme. Le pain, c'est la terre et l'homme étroitement mêlés. Et c'est pour ça que tu l'aimes ainsi. Oui, grand-père.
m'évanouir, m'endormir ou pourquoi pas mourir. Justement, je pensais à vous. Et je me suis permis de vous rendre visite. Vous n'êtes pas fâché? J'aime les maisons et en passant, j'ai eu envie de visiter celle-ci. Et moi, je suis content d'avoir oublié ça. Venez dîner ici ce soir. Nous rentrons vers 8 heures. Non, merci. J'ai une famille très gentille, un père, un oncle, une belle-mère, un frère, une demi-sœur et deux cousines, quatre chiens. Non, vraiment, merci. Et un chaton. J'ai une meilleure idée, on va pique-niquer sur le lac, vous venez avec nous tout de suite. Sur quel lac? À 60 km, il y a un lac. Vous venez? Non. Je vous suis antipathique? Non. Enfin, un nom gentil. Il faut que je m'en aille. Au revoir, Joachim. Ah, nous reverrons-nous, mystérieuse Miss Nightingale? Sûrement. Où habitez-vous? D'aller me promener dans la forêt. Joachim, viens avec moi. Avec plaisir, belle belle maman. J'ai entendu des pas. Florent a déjà été amoureux. Hélas, oui. Pourquoi tu dis hélas, oui? Je sais que t'aurais préféré que je dise hélas, non. Qu'est-ce que tu racontes? Moi? Rien. D'ailleurs, j'ai pas ouvert la bouche. Il aimait beaucoup votre mère? Normalement. Tu crois qu'il m'en veut d'avoir pris sa place? Il est si méchant avec moi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Ah, écoute-moi. Dis-moi carrément, j'ai envie de Florent. Est-ce que tu crois que il va... Mais enfin, tu es fou! Etc. Écoute, je te répondrai oui. Il s'en rend même malade pour voir mes filles. Tu crois? Mais non, je l'énerve. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'en suis sûr. Pourquoi tu en es sûr? Il te l'a dit? Qui peut vous regarder sans avoir envie de vous, belle maman? Parfois, j'ai envie d'avoir 16 ans. Tu vas me faire pleurer. Rentrons. Qu'est-ce que j'ai comme récompense pour mon gentil petit renseignement? Voilà. C'est peu.
gosse. Pourquoi t'as épousé mon père? Parce qu'il avait deux fils très beaux. Bonjour, Miss Nightingale. Vous voyez, j'ai découvert votre repère. Je ne trouvais plus rien à vous dire. Il ne faut pas m'embrasser sans ma permission. Eh bien, ai-je la permission de vous donner un baiser du matin, Miss Nightingale? Non. J'en ai terriblement envie. C'est vrai? Et où voudriez-vous m'embrasser? Où? Dans votre cou, encore une fois. Au creux de vos bras. Sur vos petits genoux. Et je remonterai vers votre bouche. Et puis, je continue? Non. Il faut que vous partiez, j'ai des choses à faire. Au revoir. Cet après-midi vers 5 heures, est-ce que vous serez là? Oui. C'était ton idée? Camille, tu m'embêtes. Il y a dans nos campagnes, ne croiriez-vous, une fille dont je suis en train de tomber amoureux. Pardon, Florent. C'est une paysanne. Vous n'en saurez pas davantage. J'en ai assez, j'ai envie de faire un tour. Tu viens, Camille? Oui. Bon, moi aussi, j'arrête. Mais Marie, en plus, je lui donne sa leçon de piano. Ah bon? Je monte, à tout à l'heure. Je voudrais repeindre la cuisine aussi. Elle est répugnante. Ouais, ouais, en rouge. Oh non, tu es fou. Elle est déjà sombre. Tu as bien travaillé, papa? J'ai surtout regardé par la fenêtre en me disant qu'il faisait trop beau pour travailler. J'ai lutté et puis j'ai succombé. Je serai de retour pour le déjeuner. J'emmène Marie.
Tu veux bien? Où on va? Où tu voudras. Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime. J'étouffe. Je t'aime. Je suis fou. Je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. Papa a moins de rayures que toi sur la figure. Et tu n'aimes pas les rayures? Non, j'aime les figures toutes grosses et toutes douces. Des figures comme des pommes? Oui. Soyez gentils. Ramenez cette jeune fille à la maison, elle est fatiguée. Je descends. Bonjour. Merci. Je vais par là. Au revoir. Vous êtes malade? Non, dehors, j'ai un peu trop chaud. Ici, je suis bien. Il est 5 heures. Asseyez-vous. Vous êtes un petit diable. Quelquefois. En ce moment, par exemple. Vous avez toujours envie de m'embrasser. Entre autres. Mais en ce moment, j'ai plus envie d'autre chose. De quoi? J'ai envie de passer ma main sur votre peau nue. Faites-le si vous voulez. Vous vous moquez de moi? Non. Je n'ai pas dit que vous pouviez m'embrasser le dos. Vous, un de ces jours, vous prendrez une bonne raclée. Ça lui apprendra. Thank you.
Parti en ville faire des courses. Quelle chaleur! Tu viens de baigner? Non. Je fais peur au gentil Florent? Bon, d'accord, si tu me laisses pas lire tranquille, autant aller se baigner. Marie, ne bouge pas, s'il te plaît. Donc, je ne sais où est Florent? C'est l'évidence même. Je ne serai jamais une révolutionnaire. J'aime m'occuper de ce que j'aime et pas ce que je n'aime pas. Les révolutionnaires passent leur vie à s'occuper de ce qui leur déplaît. Non? Marie, ne tourne pas la tête. Camille, arrête de parler, tu l'as fait bouger. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, pourquoi toutes les portes sont bleues? C'est pas une porte bleue que l'on entre dans le monde où les petits chats font de la pâture. C'est bien ce que je pensais. Merci beaucoup. Qui c'est? Je ne sais pas. Rappelons-la, elle est trop mignonne. Où vous allez? On revient! Mademoiselle! Vous avez lu le livre des chatons barbouilleurs. L'un s'appelait Sage et l'autre Aimable. Je le savais dès que je l'ai vu qu'elle était un amour. Venez prendre le thé avec nous, il y a de la confiture anglaise au citron. Non, merci, vraiment. Pourquoi? Mais pourquoi, pourquoi? Je n'aime pas entrer dans la vie des gens. Et qu'est-ce que vous aimez? Je n'aime pas en parler. Je n'aime pas parler. Il faut que je m'en aille. Au revoir. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je sais ce que vous aimez.
C'est vous cacher dans un petit trou comme une petite souris verte. Mais attention, un jour tout change. Et un beau jour, c'est par une porte bleue que les petites souris vertes entrent dans le monde. Où les chats les mangent. Pas du tout. Les chats regardent la petite souris. Et comme ils la trouvent belle et qu'ils font de la peinture, ils la font poser et ils font son portrait. C'est la première année que Faustine vient passer des vacances avec vous à la ferme? Non. Elle est venue une fois quand elle avait 12 ans. Moi, j'adorerais vivre dans une ferme. Et ça me plaît de connaître des gens qui vivent comme ça, tout près des animaux et de la terre. Vos parents ne vont pas s'inquiéter de ne pas vous voir? Non, madame. En vacances, tout le monde fait ce qu'il veut chez nous. Papa est professeur d'ethnologie et oncle Jean de littérature française à la fac de Grenoble. Ils sont frères? Oui. On vit avec maman et on passe les vacances avec papa. Quand l'air est doux comme ce soir, on a l'impression de nager dans de l'air. C'est vrai. Et l'on voudrait être nu. Oh. Après-demain, nous faisons une garden party. Vous viendrez, Faustine? Je ne sais pas. Quelqu'un nous suit, je vous assure. Qui va là? C'est nous, mademoiselle. On se promène aussi. Ça vous ennuie qu'on marche avec vous? Non, non, pas du tout. Au contraire. Qui vient faire un flipper avec moi? Allons-y. Moi, je vous regarde. Vous devez essayer, vous commandez, on arrive. Ah, vous êtes fâché contre moi? Mais non. Ah, pourtant, vous avez une figure fâchée. C'est mieux comme ça? Vous faites ce que vous voulez, moi je rentre. Je sais pas, moi, mais je te jure que ce type m'aurait prise par le bras et m'aurait dit « Viens ». Eh bien, j'y allais. Et vous ne vouliez pas y aller? Elle est incroyable, la souris verte. Bonsoir, petite souris. À bientôt. Vous ne voulez pas entrer? Non, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cousin. Bonsoir, cousine. S'appellerait-elle Faustine, par hasard, celle qui a charmé vos yeux, cousin? Ouais, cousine. Votre goût est bon. Bonsoir, cousin. Bonsoir, cousine. Bonne nuit, oncle Jean. Bonne nuit, ma chérie. Florent n'était pas avec toi? Non. Fier de moi. Florent?
père n'est pas avec toi? Non. J'ai fait une balade énorme. Je suis fatigué, je vais me coucher. Bonne nuit. Dors bien, t'as une sale tête. Bonne nuit, cher frère. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous aimez la pluie, vous aussi. Non, je ne l'aime pas. Mettez ça. J'ai un peu froid. Et votre pull? Si vous voulez bien me suivre, c'est tout prêt. Je pourrais vous le rendre tout de suite. Maintenant, je ne peux pas. Vous me le rendrez plus tard. Ce soir? Demain? Ce soir ou demain? Demain. Ici, à la même heure, vous voulez bien? C'est entendu. Je ne sais pas du tout pourquoi je pleurais. Toute cette eau qui tombait. Je crois que c'était contagieux. À demain.
ne t'embrasserai pas si tu ne le veux pas. Je voudrais juste te toucher un peu. Ne bouge pas, reste là. Pourquoi je vous ai laissé me caresser comme ça? Je ne sais pas. Mon corps aime bien vos caresses, mais mon cœur ne les aime pas. Je suis triste. Partez maintenant et ne revenez pas. Tout simplement, je ne vous aime pas. Depuis notre première rencontre, j'ai trop souvent pensé à vous. Dites-le-moi encore une fois. La tête me tourne. Je n'ai jamais laissé personne m'embrasser. Vous êtes le premier. Pourquoi? Parce qu'il me semble que vous me parlerez, que vous m'écouterez. Que vous m'apprendrez tout ce que je ne sais pas, parce que je suis petite. Et puis aussi, je sais que vous aimerez de moi ce que j'ai de meilleur. Pas seulement ce qui se voit. Et moi aussi. Et pourquoi croyez-vous tout ça? Nous ne nous connaissons pas. Pourquoi croit-on ces choses-là? Ne me faites pas peur. Dites-moi que je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis cet homme-là. Mais ne parlons plus. Maintenant, tu dois avoir froid. Mais je n'ai pas envie que tu te rhabilles. J'ai envie de boire toutes les gouttes d'eau qui glissent sur toi. Buvez.
par une porte bleue qu'on entre dans le monde où les chats font de la peinture. Il était une fois deux chatons barbouilleurs aux yeux verts, sages et images. C'est très facile, disait Sage. Le rouge est rouge, le bleu est bleu, disait Image. Et l'odeur de pâtisserie, on se croirait en novembre. Pourquoi vous êtes-vous décidée à franchir notre seuil aujourd'hui, petite souris? Le temps gris, la pluie m'ont rendu triste. Et puis les champs, les rues, tout était vide. Papa nous a appris à aimer toutes les saisons. Portez ça dans la bibliothèque. C'est au premier, ça leur fera une surprise. Vous voulez bien? Et dites à mon oncle Jean qu'on va servir le thé. Il joue du piano dans le salon. Bien dormi toutes les deux. Hein, ma fleur? Oui. Joachim, je crois que tu connais déjà Faustine. Ouais, ouais. Bon, arrête de jouer maintenant. Je vais me laver les mains. Moi aussi. J'arrive. N'est-ce pas qu'elle est mignonne, papa? Oui. Faustine, voilà papa. J'ai rapporté votre pull-over, monsieur. Vous vous connaissez? Nous nous sommes rencontrés dans la forêt. Merci. Vous perdez votre ruban bleu.
Merci, monsieur. Oui, maman. Pardon. Pardon. Elle se lave les mains. Ah oui. Ouais, ouais. Bonjour. Voilà encore. Depuis que je l'ai vu chez vous, il passe là tous les jours après son travail. Et vous ne lui parlez pas? Si cela vous ennuie, dites-lui de ne plus passer par là. Vous avez raison, Faustine. Le ciel s'éclaircit. Ce sera un beau crépuscule. Je vais te lire une histoire que Faustine aime beaucoup, Marie. C'est par une porte bleue que l'on entre dans le monde où les chats font de la peinture. Il était une fois deux chats. J'ai envie de marcher. Si vous rentrez, je vous raccompagne. Je ne rentre pas encore. Où est votre père, s'il vous plaît? Parti se promener. Merci. Dans les champs. Bonsoir, ma chérie. Dormez bien et à demain.
L'été n'est pas fini. L'été n'est pas fini. Soleil, ma splendeur. Fleurs de toutes les couleurs. Vous m'enivrez. Vous me faites tourner la tête. Je pensais pas que vous alliez venir. Pourquoi ? Vous savez bien pourquoi ? Eh bien, c'était idiot. Aaron. Et moi, Ariane. Ça sonne presque pareil. On va se promener. Où vous voulez aller? Le long de l'eau, il fera plus frais. Même au bord de l'eau, il fait chaud aujourd'hui. Bon, on s'assied à l'ombre. Si vous voulez. Là, ça va? Oui. Ici, on est bien. L'homme a besoin de peu de choses pour être heureux. Que son corps le soit, cela suffit presque. Je dois partir. Au revoir, merci d'être venu. Pourquoi vous m'avez demandé de venir ce matin? Pour vous regarder dormir 5 minutes ou quoi? Non, pas du tout. Pourquoi vous avez couru après moi? Parce que j'étais en colère. À cause de moi? Évidemment. Pourquoi? J'aurais pas dû vous demander de venir. Pourquoi? On n'a rien à faire ensemble. Vous réfléchissez trop. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand je vous touche comme ça, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. On ne peut pas rester ici. Non.
Je suis content. Moi aussi. Bonjour, Faustine. Bonjour. J'ai cueilli ces fleurs pour vous. Merci. Oh, n'oubliez surtout pas de venir à la garden party demain. Je n'oublierai pas. Bon. Eh bien, alors à demain. À demain. Oh, le gentil coquelicot, mon âme. Gentil coquelicot nouveau. Tu as vu? Il ne m'a pas parlé du ruban. Il ne me l'a pas rendu. Il ne me l'a pas rendu. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais qu'on dise que tu sors de prison, que je t'attends devant la porte. On ne s'est pas vu depuis 2 ans. Et alors? Alors on est heureux de se retrouver. 2 ans? Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 2 ans? Je t'ai attendue. Menteuse. Est-ce que ça a été long, ces 2 ans sans toi? Presque aussi long que de ce matin à ce soir sans toi. Bonsoir, Faustine. Bonsoir. Portia. Cette glace dans l'ombre jette un reflet trop pur à cette alcôve sombre. Ces fleurs ont trop d'éclat, tes yeux trop de langueur. Que ne m'accablais-tu, Portia, de tes rigueurs? Peut-être, Dieu m'aidant, juste trouver des armes. Mais quand tu m'as noyé de baisers et de larmes, dis, qui peut m'en défendre ou qui m'en guérira? Tu m'as fait trop heureux. Ton amour me tuera. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Camille. Soudain, je t'ai entendu lui lisant ce poème. À qui? Ne me prends pas pour une demeurée. Je n'ai jamais lu de poème de Musset. Ah bon? Parce que tu lui lis des poèmes à elle aussi. Tiens, tiens. Ne me touche pas, sale type! Mais tu es jalouse. Je t'ai dit de te taire, je ne peux plus supporter ta voix de fausset. Ma petite Camille chérie, te fâche pas contre moi, ça me rend trop triste. Non merci, je prends mon thé sans sucre. Pourquoi ris-tu? Parce que tu es jalouse, vraiment, je me doutais pas. Alors je ris parce que... parce que ça me fait plaisir. Je t'aime énormément. Tu sais? Et elle? Tu l'as quoi? C'est très différent. D'ailleurs, j'en suis déjà un peu... Menteur! Je t'assure que c'est vrai. C'est de plus en plus vrai. À chaque minute... J'ai terriblement envie de t'embrasser. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup?
Vous entrez, Faustine. Alors bonsoir, Faustine. À demain. À demain. N'en fais pas un drame, profite de la situation, c'est tout. Crois-moi, les filles, les femmes, c'est du joli superflu. La vie est ailleurs. Je ne crois pas, et toi non plus. Mais si, mon vieux. Écoute, cette petite Faustine et les autres, en se donnant un peu de mal, me déconseille que c'est possible, pourquoi le faire? C'est comme si c'était fait. C'est comme si tu disais, déconseille que c'est possible de vivre, pourquoi vivre? Et le plaisir? Foutaise, jeune homme. Ce qui compte, c'est très simple, c'est d'être le plus fort. Plus fort que qui? Que tout le monde. Ce qui est tort avec toi, c'est que tu dis toujours des trucs que tu penses pas. C'est pas tout à fait ça, mon cher. C'est qu'en général, je pense toujours en même temps une chose et son contraire. Jolie Faustine. Je suis venue plus tôt pour vous aider. Plus tôt? Mais trop tard. Tout est prêt, on a juste le temps de s'habiller. C'est vrai. Faustine, ne soyez pas étonnée. J'ai invité les ouvriers qui travaillent pour votre grand-père. Mais je ne suis pas étonnée. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Il y a une brise très légère qui souffle derrière vous et dans ma direction. Je ne vous ai pas entendu. Mais dans l'air, tout à coup, une nuance nouvelle s'est mélangée petit à petit. Et j'ai reconnu votre parfum. Cela me plaît d'imaginer le vent portant mon parfum et glissant autour de vous. J'ai l'impression d'être légère, légère, et de voler moi-même dans le vent, comme un parfum. Et je m'enroule autour de vous, et je ne vous dérange pas. Je me mélange aux autres parfums de la terre, et je suis douce à respirer dans le vent qui passe, douce comme le magnolia, comme le citronnier. Je flotte dans l'air et vous me respirez. Il ne faut avoir peur de rien, Faustine. Ce sont les autres qui peuvent avoir peur de vous. J'ai toujours beaucoup rêvé. Et j'ai peur de passer de mes rêves à la réalité. J'ai peur de me casser en mille morceaux, éparpillés. Et de ne plus pouvoir jamais les recoller. Qui n'a pas rêvé à 16 ans? À quoi rêviez-vous? À 16 ans, je sauvais des jeunes filles en danger. Cette jeune fille que je sauvais, c'était toujours la même. Je l'avais inventée. Eh bien, je ne l'ai jamais rencontrée. Ça ne m'a pas empêché d'être amoureux, malheureux et heureux. Cette jeune fille inventée, est-ce qu'elle me ressemblait? Vous le savez bien. Oui. Dès que vous en avez parlé, je l'ai su. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Bientôt les invités.
Vraiment, je trouve que nous sommes toutes d'une beauté incroyable. Et eux, ne sont-ils pas mignons? Vous êtes vraiment toutes très jolies. Florent, viens, j'ai quelque chose à te dire. Je reviens tout de suite. Bonjour. Marie n'est pas malade. Est-ce qu'elle ne deviendra pas vieille? Est-ce qu'elle ne mourra pas? Et moi? Et vous? Et ce jardin? Ne riez pas. Vous ne comprenez rien. Vous ne pensez à rien. Vous ne pouvez me dire que des choses vulgaires. Vous ne comprenez même pas pourquoi vous ne me plaisez pas. Cela ne suffit pas de se toucher l'un l'autre. Et puis de ne plus se toucher quand l'envie en est passée. Moi, je veux parler. Et je veux qu'on me parle. Mais vous, que pourriez-vous me dire? Que vous êtes très ravissante aujourd'hui. Et que j'ai envie d'un tas de choses. Merci. Merci de m'avoir dit que vous me trouviez jolie. Rendez-moi mon ruban. Tout à l'heure, ici, à cause de vous, j'étais terriblement heureuse. Et maintenant, vous pleurez. À cause de vous. Parce que vous m'avez laissée là et parce que vous riez sans moi. Je crois qu'il va faire beau finalement. Pardonnez-moi.
maintenant, c'est mon tour. Et enfin, Faustine entra dans le monde par une porte bleue. Aujourd'hui, c'est mon premier baiser. Et dans 70 ans, au mieux, je serai morte. Tu vois bien, maman.